Grand blanc. Avoir 8 ans et être seul dans l'immensité polaire. Grand blanc, d'Adèle Tariel et Jérôme Perra, aux éditions Père Fouettard. Elle fixe l'horizon comme si elle y était déjà. L'ours doit partir. Elle le sait. Entre ses pattes, 2 petits corps chauds la retiennent. Pour eux, elle doit y aller. Elle n'a rien mangé depuis 4 jours et n'a plus une goutte de lait. La banquise est déserte cet hiver. Saski aime la soupe de sa maman, surtout quand il y a de gros morceaux qui flottent comme des icebergs. Elle sent la vague de chaleur dévaler sa gorge. Saski attend son père parti à la pêche cette nuit. Elle va lui rappeler sa promesse, celle pour laquelle elle devait attendre ses 8 ans. C'est aujourd'hui. L'ours part, le cœur serré. Elle marche d'un pas lourd, d'un pas de géant. Son regard chasse déjà le moindre phoque. La faim la tiraille, mais elle sait déjà qu'elle devra aller plus loin. Enfin, papa est rentré. Joyeux anniversaire, chérie. Aujourd'hui, j'ai le droit d'aller à la pêche toute seule, papa. Tu l'as promis. Son père sourit. C'est d'accord, mais tu le sais, pas plus loin que la dernière cabane, que je puisse te voir. Saski s'habille, longtemps. Elle promet d'être prudente. Elle embrasse ses parents et s'éloigne vite. L'ours marche encore. Elle s'approche de l'eau. D'un geste rapide et précis, elle sort un poisson. Elle n'en fait qu'une bouchée. Pas de quoi combler sa faim. Elle se sent trop faible pour attraper les plus rapides. Saski marche vite. Elle a hâte de montrer à son père tout ce qu'elle peut ramener seule. Elle aussi sait être plus maligne que les poissons, comme dit son père. Elle se faufile entre les sastrouji. Elle tapote du pied. Colle son oreille contre le froid pour écouter l'eau sous la glace. Là, ce sera parfait. Elle recule. De toutes ses forces, elle reproduit le geste de son père. Puis elle installe sa ligne. L'ours fatigue, mais elle ne doit pas rentrer le ventre vide. Le vent se lève, l'empêche d'avancer. Saski est heureuse. Ses seaux se remplissent. Elle pense à la tête de ses parents quand elle rentrera. La petite fille ne voit pas les nuages se couvrir de gris. La neige tournoie autour d'elle. Elle ne distingue plus la banquise du ciel. Tout est blanc. Saski agrippe ses seaux. Elle doit lutter contre le vent. Elle observe tout autour. Elle ne reconnaît plus rien. L'ours avance au hasard. Saski sent son cœur s'emballer. Elle doit retrouver son chemin. Mais le vent l'oblige à baisser les yeux. Saski est tétanisée. Elle ne peut plus bouger. Elle voudrait s'enfuir. Mais ses jambes ne lui obéissent plus. Pourtant, l'ours s'avance vers elle et la tempête se déchaîne. Elle appelle son père, mais ses cris se perdent dans les hurlements du vent. Les flocons gelés lui fouettent le visage. Saski ferme les yeux. Elle espère disparaître dans le blanc tourbillonnant. Et, apparue de nulle part, là, tout près, un œil la fixe dans le grand blanc. Saski ouvre les yeux dans un doux refuge. Le vent faiblit. D'un geste lent, elle offre ses poissons.
L'ours est rassasié. Elle observe la petite fille et s'éloigne. Les sauts de Saski sont légers. Son cœur aussi.